Welcome to Euronet Plus Debate from the European Parliament in Brussels. I'm joined today by Frans Timmermans, First Vice President of the European Commission, and by journalists from our network across Europe, and also by Letitia Markakis with our social media audience online. Frans Timmermans, thank you for joining us today, sir. My pleasure. This investment plan, is it really going to work? Absolutely. It depends to a large extent on the quality of the projects. And I'm very confident that with the European Investment Bank, we can identify quality projects that are necessary for Europe's economy to create a digital single market, to take away some of the inhibitions we still have in the internal market, and to create more jobs. And I think using an amount of capital as leverage is the right thing to do instead of only looking at demand-driven things or looking at the side of the economy which is only about infrastructure. Just have a look at what the market wants. You say that, but almost every politician, ambassador and correspondent I speak with here in Brussels says it might work, but and they wish you well, mm-hmm. but they're not convinced. Well, we'll have to wait and see. We'll prove them wrong if they're not convinced. Why do you think they're not convinced? Well, I think because it's a novelty. It's a new way of looking at these things. Until now, when we talk about investment, we always talk about, you know, infrastructural projects, about structural funds, about the EU putting money somewhere and then the member state matching the funds. Now we're looking at the markets. We're looking at what's the problem. Why aren't private companies investing? But the markets want to see reform first and then they'll put the money in. Well, don't get me wrong. This plan will fail if member states don't reform. So if member states believe this plan is an alternative to reform, they're completely wrong, because the markets will punish them. It's not the states that will punish them, it's the markets. And who'll get the blame, the national states or the Commission in the end? Well, at the end of the day, Europe always gets the blame, whatever happens. But I think behind the acronym EU, behind the Commission, are the member states, are the national parliaments, is the European Parliament. So, I mean, going into a blame game is not going to help anyone. Do you think part of this is the gimmick of multiplying by 15, getting this leverage to such a high degree? Well, it's not a gimmick. It's worked. It's worked in the past. The European Investment Bank okay. shows that it can perform in that area, and we will show it again. Okay, we're going to go to a satellite connection with Anabela Lakov from HRT in Croatia. Anabela, can you hear us? Yes, I can. Good evening from Zagreb. Hi, Anabela. Good evening from Croatian Radio Television. Good to have you with us. Can you give us your question, please? Yes. When the European Commission President presented 315 billion euros worth plan, investment plan, he said that the large amount of money is going to come from the private investors, from the private enterprise, and only 21 billion from the European Union. What is your answer to the critics who say that European Commission is really relying on a financial miracle when it expects to raise that amount of money, and to those who say that the plan will fail because of the lack of the real incentives for the investors? Thank you very much. Okay. When he presented this in Parliament, Jean-Claude Juncker said Christmas will come early. Is that a miracle, or are we home for two miracles here? Well, you know, it's simply based on past experience. The figures we use are what the European Investment Bank also use when they look at their ratio between capital and investment. So I think we've even been slightly more careful than the European Investment Bank. I think the markets will react to this in the way they have reacted previously to what the European Investment Bank have been doing in the same area. So I'm actually quite positive that we can pull it off, that the markets react in a positive way, but it has to work with leverage. It's not the traditional way. Yeah. But the EIB is leverages twice. It doesn't go to times 15 usually. Oh, well, if you look at the past experience with the European Investment Bank, sometimes the leverage is 20 or even more. What we do now is, with the 21 billion from the EU funds, from the EU budget, we put it together with the EIB, we create 60 billion, and that 60 billion is the basis for attracting private investors. And you simply take the edge off the risk for private investors. So it's like an insurance sitting plan on the fence. Basically, this is insurance policy. They're sitting on the fence. They think the risk is too big. We reduce the risk slightly, which is just what they need to go over the threshold. Okay, we're going to go to
AMS, Lisa Schollinger from AMS in Germany, and with a pre-recorded question. Can we have that, please? Hi, everybody. I'm Lisa Schöniger from AMS, the German Euronet Plus partner. And today I would like to talk about Christmas presents, because that is what many newspapers call the investments the EU Commission is planning. 315 billion euros will be spread in the EU in the next years. And what I would like to know is, how do you separate the good projects from the bad so that this huge amount of money will not be wasted in the end? Okay. I think that's an excellent question, and also based on past experience. I think it is important that we would leave the choice of the projects up to the experts, and that we would look at what the markets want with little or no political interference. So if we apply the traditional logic of member states saying, I want my money back, I want exactly this much invested in my country, then you will get into a process of political interference and not a sound appraisal of the projects. So what we need is a sound economic appraisal of the projects, projects Europe really needs. And then I think it will work. If we start interfering politically, then you run the risk your colleague was asking about. Who decides on the projects then? We're still working on that, but I think it is very important to use the past experience, both in the European Commission, but especially also in the European Investment Bank. The last time we tried to leverage like this didn't really work. It didn't get the full uptake of the volumes, 120 billion last time with the compact. But it was a different mechanism. It was not intended to work the way it's now going to work with the European Investment Bank. So I think we try something different. I think we're confident that this is going to work, but I want to stress once again, it does depend on the willingness, the continued willingness of member states to also apply reforms they need to apply, otherwise investors will shy away from their markets. Investors see too much political hesitation when it comes to pretty much every policy. How are they going to be convinced that there's not going to be political interference in large-scale projects which are highly risky, even when there's some comfort zone with the financing? Well, they will need to give us a little bit of time to set up the whole structure. We will discuss this very soon also with the European Parliament. The European Parliament needs to be fully involved. Once the structure is set in place, okay, I think markets can see that we mean business and that there's not going to be political interference with projects, and that we need projects that have long-term effects on the European economy that should be more sustainable than it is today. Which kind of sustainable projects would you like to see principally? Well, you know, if I start now pointing to specific projects, that would be the first step of political interference in projects. Let's just wait and see what the markets want, what areas we can operate. But in general terms, we believe that there is a need to create an energy union, there is a need to create a sustainable economy, there is a need to create a digital single market, and there is a need to take away some of the limitations of the internal market that still exist today. Okay, European Voice was reporting today that there is a strong preference, there's being a culling of certain projects within the European Commission, which I'm sure you're not prepared to confirm at this point. But the digital economy has got to be the flagship policy, which is well understood by most people as well. Mm-hmm. But when we're dealing with Google in the way that the European Parliament is almost censuring at the moment, how are you going to convince private equity to get involved in Europe when they're trying to break up markets like this? Well, you know, the digital market is still governed by protectionism on a national level. This also applies to a certain extent to the telecom market. There again, we need to create a really open European market, and it's very urgent. And then there's the scare we have in Europe as far as data protection is concerned, and it's a justified scare. So we have to prove to our citizens that their data are duly protected and in safe hands and can't be misused. So if we don't get that right, we will not get a digital single market. Okay, we need to go to satellite now with Slovenia. Lidija Petković from RTV Slovenia, are you with us? Yes, hello, Brian. Hi, Lidija. Can we have your question, please? Hi. Yeah, of course. Well, Mr. Timmermans, Slovenia has high expectations regarding the already mentioned investment package.
Our government estimates that funds should be secured for anti-flood protection and the modernization of the railway network. When do you think the EU member states will be able to start implementing the first projects as part of this package, since the construction of investments planned by Slovenia is of urgent matter? Thank you. Thank you, Ligia. There are two things here. One is the timescale of the funding. It's 2015, 2017 principally. Right. You got the tender process. Exactly. You got the construction to start before you get this trickle-down effect with the finance. It's going to take a long time. What we need to do is, first of all, to listen to the European Council that will take position on this issue next week. Then there has to be understanding between the European Commission and the European Parliament that we have to move quickly on legislation as far as this is concerned. I think there is a willingness also in the European Parliament to cooperate, to put this in place very quickly. Once it is in place, then we can go into the projects. But for me to comment on specific projects is impossible given the nature of this programme. If we want it to succeed, we need to leave up to the experts and the markets to make decisions on projects. Let's go to Letitia. Letitia, let's take a couple of short questions for the Commissioner. Yes, Brian, actually we have a lot of questions and comments on our Facebook page. And actually our social media audience wonders if this investment plan package will really directly benefit the citizens themselves. So let's have a look at some of our comments. Victor from France, briefly in English, wrote that he's happy with the political vision of the plan. Europe really needs big projects such as modernizing railway network, but he thinks these projects are not what people are waiting for and asks how could this citizen feel concerned by these new projects. And we also have unhappy people who don't believe in this so-called New Deal. Annika from Germany wonders why would we believe that this plan is a relaunch of Europe? It's not a real new deal. And Sven from Sweden, what is it? It's so complicated to have real money to invest at the European level. This plan is not new money, but just guarantees for the most part. And then another concern is about the transparency of this project. How will they be invested? So Giorgio from Italy would like to know more about the follow-up of the projects. After your investment, how will you control that member states finalize the projects with European money? Okay. And then finally, with the Luxembourg tax scandal, Stefano from Euro Radio Nantes in France asked what guarantee the European Commission is going to set up to be sure this money will be fairly invested, but also why would company invest more today than before? So Brian, as you can see, transparency is the big concern about the citizen, but also how this planned package will directly benefit the citizens. Thank you, Tisha. We've got to go to Radio 24 with Gigi Donnelly. Gigi, can you hear us? Good evening. Hi. Can we have your question, please? Sure. My question, as Giorgio said in our question from the network, my question is investments in Italy are not enough efficient and have been so very much because of heavy bureaucracy. So how can the Commission help in this specific side? Okay, thank you, Gigi. Transparency, bureaucracy, how do you tie these knots off? Well, you know, Prime Minister Matteo Renzi has said very clearly, we need to reform Italy, not because of Europe, not because of the Commission, because of Italy. And one of the reforms desperately needed in Italy is to lift some of this bureaucratic pressure on citizens and on especially small and medium-sized companies. The Commission can be your partner in that because one of my main responsibilities is to look for better regulation, to cut red tape. And I would love to partner up with member states to make sure that we cut European red tape and cut national red tape. And incidentally, the president of the European Investment Bank told me that in his analysis, cutting red tape is going to yield more results for small and medium-sized enterprises than the investment plan. Politicians love to talk about cutting red tape, especially election time. Yep. Practically, what does that mean? That means that we have to look at the administrative burden, especially in small and medium-sized enterprises, and make sure people feel that they have less paperwork in 1 or 2 years from now, that they have earlier access in Italy to courts when there is a problem, that they get tax rulings much earlier than they have today, that they
have VAT forms that are not so complicated with so many questions that they give up. There's a very concrete steps we can take in the next couple of years. And I really want to come before you again in a couple of years' time to be held accountable whether we've succeeded or not. To which degree does the digital economy help that? Well, it could be of tremendous help. Just imagine that you have one VAT form in a digital form for the whole of Europe. That would already mean make a lot of difference for enterprises. So the problem here is a problem of trust. People don't trust the digital economy because they're afraid their privacy would be attacked. Okay, we're going to go to Stavros Samolidis with Sky Radio and TV in Greece. Stavros, can you hear us? Yes. Hello. Hello, Brian. Hi, Stavros. Dear Mr. Timmermans, hello. Hi from Athens. Hi. My question is, you spoke during your pre-confirmation hearing about the necessity of this new commission to restore faith and prove also it can deliver, although we've seen that this investment package put forward and the gap between the 21 billion euros and the 315 billion euros, it's almost unreachable for many member states. How do you respond to these critics, and how will you, what will you say to Greece, for example, which is a country that's in urgent need of European investments? I could say to you several things. First of all, I fully understand skepticism all across Europe, especially in Greece, where the people have suffered so dearly because of the economic crisis. So I'm not asking for you to believe my words at this stage, to think that we'll be successful. I'm only asking you to give us an opportunity to prove to you that this might work. That's all I'm asking. That you're skeptical, that you don't trust it at this stage, I fully understand. I think this sentiment is shared all across Europe. But we need to try and get investment going. There is an investment gap. If you compare the size of our economy with the size of private investment, there's an investment gap of at least 700 billion here. So we need to do something to close that gap. And Greece will profit because Greece has made tremendous efforts in overcoming the crisis now, shows really interesting and encouraging growth figures. Let's work with that. Okay, we have our final correspondent, Michał Matus from Polskie Radio TV in Poland. Are we ready for this? Hello, this is Michał Matus from Czwórka, Polish Radio. In the past years, Poland spent a lot of EU money, mostly on infrastructure. In new European budget, we have to focus more on innovative and green technology because of new regulations. Is it possible that these regulations will divide Europe into two groups? The first one, of innovative countries getting a lot of money from EU, and the second one, the countries that won't get funds from European Union because they aren't capable of developing innovative projects. What can European Commission do to prevent this situation from occurring? Well, again, you know, the trap here is to go back to the old system, to what is called in Brussels juste retour. You look exactly at how much money a member state gets back. I think Poland has shown consistently in the last decade that by putting forward projects that have real economic opportunity, by taking care of red tape at home, by fighting corruption at home, Poland has created almost an economic miracle. Look at what happened in Polish agriculture, where you had farmers at the outset who were very, very skeptical about the European Union, and today are probably the most staunch supporters of EU integration. So I believe that if the quality of your projects is right, there will be investments. If the quality of your projects is bad and you insist on investment, the money will be lost. And this is European taxpayers' money as well, along with investors' money. And investors will not put money in projects if the projects are not viable. So you need to create the conditions at the national level for viable projects. That is why there is no escaping structural reform in member states where this is highly needed. Okay, corruption is one problem, but tax avoidance is something else. Absolutely. Absolutely. That is why the Commission will bring forward proposals to make sure that there's no tax dumping in the EU. I hope member states will respond and will accept our proposals. Well, thank you very much. Just before we hand over to Yann Anthony for the French part of our program with BFM Business, we'll have a short report on the investment plan. I'd like to thank Frans Timmermans for joining us today, for also the European Parliament for the facilities here today and for the production, and Leticia Markakis also and our social media team online. Thank you very much. Thank you.
Investment in the European Union has fallen by 430 billion euros during the last 6 years. Greece, Ireland, Spain, Portugal and Italy have suffered most. To fix this decline, to restore confidence in the European economy and to reduce devastating unemployment, European Commission President Jean-Claude Juncker has launched a do-or-die investment plan. We need to send a message to the people of Europe and to the rest of the world. Europe is back in business. What we need is a smart use of public money, funding our schools and welfare systems, not servicing our debt. Juncker estimates that the 21 billion euro investment plan will allow the European Investment Bank to raise 60 billion euros by issuing bonds. The EIB will then invest that cash in projects worth 315 billion. But similar schemes in the past, including the 120 billion euro Compact for Growth in 2012, failed to generate the expected investment. The investment plan is pure voodoo, Juncker voodoo. It doesn't contain one single euro of fresh money. We don't see how in a climate of depression, of austerity, of falling wages and pensions, private companies will be inclined to invest in the magnitude of 315 billion euros simply because you extend a few guarantees. Basically, they say investors prefer invest in the casino rather than in the real economy, rather than to say, okay, let's close down the casino. They say, okay, we'll make the real economy more attractive to you by socializing losses so that you can privatize profits. I mean, this is the logic that drove us into the place we are in Europe at the moment, and they just want more of this. If the bank presented this to the Commission, they would probably say, you're not a bank, you're a hedge fund. We only had a tip of the project being lifted by Mr. Juncker. A lot of questions still remain. A lot of things remain unclear. It's now up to Mr. Juncker to make sure this isn't a Juncker show, but it becomes a real project for Europe. Is the investment plan really additional funding, or is the Commission playing with financial shadows? The jury is still out. Business is divided as to whether this is a confidence trick. Many think the investment plan is too little, too late. But right now, it's the only game in town. Let's see how the cards are played. L'invité BFM Business, ça se passe à Bruxelles ce soir. Bonsoir Frans Timmermans. Bonsoir. Vous êtes le premier vice-président de la Commission européenne. Vous êtes néerlandais. Oui. Merci d'être avec nous. C'est votre première interview à la télévision française depuis que vous êtes en poste. Vous parlez combien de langues ? Six. Six langues, dont le français, puis le russe, le néerlandais, l'anglais, l'allemand. Et l'italien. Et l'italien. C'est impressionnant tout de même. Face à vous, monsieur Timmermans, deux jeunes femmes. D'abord, vous avez Madame Struve, Tania Struve, qui représente les départements allemands, c'est ça. Les Landkreise, on dit, c'est pas vraiment les départements, hein, c'est... C'est le niveau des départements, mais c'est un peu différent quand bon, même. Bon, on va dire oui. Départements pour simplifier les choses en français. Et puis Marguerite Desprez-Hautebert, qui est chef d'entreprise, directrice générale d'une imprimerie dans le Nord-Pas-de-Calais, qui s'appelle Léonce Desprez. De quoi, Marguerite, souhaitez-vous parler ? Un petit résumé, un petit teasing avec le vice-président de la Commission européenne. Des possibilités que le plan Juncker peut offrir à la filière graphique qui est très, très mal en point en France et dans l'Europe en général. Le fameux plan Juncker, 315 milliards d'euros, sachant que l'Europe met 21 milliards d'euros sur la table et vous espérez un effet de levier miraculeux. On va y revenir. Et vous, Tania, vous souhaitez parler de quoi avec le vice-président de la Commission européenne ? Mais moi, j'aimerais bien faire un point, en fait, sur la better regulation. Donc, Alors, la better regulation, c'est l'hyper-réglementation. C'est la lutte contre l'hyper-réglementation. En gros, faire un petit peu moins, mais mieux à Bruxelles et que l'Europe s'occupe davantage des grandes choses que des petites choses. Voilà, et en tout cas aussi de faciliter la mise en œuvre de la législation européenne. Et je crois que ça doit absolument se faire en rencontrant plus les citoyennes et les citoyens, plus rentrer en contact avec les collectivités locales comme le niveau le plus proche du peuple et le niveau qui met en œuvre cette législation en Europe. Alors juste une première chose, Frans Timmermans, et puis ensuite on va pouvoir entendre l'étendue de votre français. Le jour de la nomination de cette Commission européenne, Jean-Claude Juncker a parlé de vous. Voilà comment il vous a présenté. Il sera ma main droite. Et sans vouloir paraphraser quiconque, il sera plus qu'un collaborateur. Il sera
mon suppléant à chaque fois que je ne saurais pas être physiquement et mentalement présent lors des réunions du collège. Voilà, vous êtes le boss, Frans Timmermans, quand Jean-Claude Juncker est absent physiquement ou mentalement. Ça veut dire quoi, mentalement? Oui, Jean-Claude, il a un grand sens de l'humour. Ce qu'il voulait dire, c'est que on fait ça ensemble. C'est une nouvelle façon d'opérer. La Commission, d'habitude, est une institution très présidentielle. Mais il voulait indiquer que maintenant, dans cette nouvelle structure, il travaillera étroitement avec les vice-présidents, pas uniquement avec moi, mais aussi avec les autres. Parce qu'on doit vraiment restructurer cette commission, on doit créer une commission beaucoup plus politique qui discute des grands projets avant de les mettre sur la table dans le Parlement européen ou dans le Conseil. Alors si on parle des projets plus concrètement, le fameux plan Juncker, on va en parler avec Marguerite. Donc, Jean-Claude Juncker a annoncé là au mois de novembre, il avait dit qu'il le ferait avant Noël, il est allé même plus vite que la musique. Il a dit on espère obtenir 315 milliards d'euros d'investissement en ne mettant au départ que 21 milliards sur la table. C'est réaliste ça? Je crois que c'est réaliste et on se fonde sur l'expérience de la Banque européenne d'investissement. Ce sont les leviers qui, eux, ont vu dans les activités qu'ils ont appliquées dans l'économie européenne. Donc, ils nous disent, les experts, que ce levier est réaliste. Donc, d'aller de 20 milliards à 60 milliards et puis ensuite à 315 milliards. Alors, justement, on a posé la question à un expert, à un analyste financier ici à Bruxelles. On est allé lui demander, Pauline Armandet lui a demandé, il s'appelle Éric de Keulener. On lui a dit, est-ce que cet effet de levier, précisément, est réaliste? Cet effet de levier est réel. Mais il n'est pas certain que ce soit véritablement utile parce qu'il y a suffisamment d'argent disponible en Europe. Ce qui manque, ce sont de bons projets et c'est également du capital à risque et un esprit d'entreprise. Il y a de l'argent, bonne nouvelle, ce qui manque, c'est les projets. Mais l'argent n'est pas investi. L'argent reste dans les banques, reste dans les sociétés. Les gens n'ont pas confiance d'investir. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas, à l'échelle nationale, les réformes nécessaires dans l'économie. Parce qu'on ne fait pas, à l'échelle européenne, les réformes nécessaires pour notre économie. Parce qu'on n'a pas levé le fardeau énorme sur les petites et moyennes entreprises. Et on doit le faire maintenant, c'est imminent. Voilà, justement, le fardeau, Marguerite Desplaudes-Bert. L'imprimerie en France est très atomisée. Il reste moins de 5000 imprimeries, dont beaucoup de TPE. Il est urgent qu'elle se restructure, qu'il y ait des concentrations. Et il va falloir aider cette filière qui a envie d'évoluer, qui croit au futur, qui veut innover, qui a des perspectives d'innovation. On rêve par exemple d'un centre européen du papier. Il y a actuellement un centre national de technique du papier. On rêve d'un centre européen. Mais pour ça, on a besoin de fonds. Sur les 315... Pourquoi un centre européen? Qu'est-ce que ça vous apporterait? Ça donnerait plus de poids et plus de crédit pour faire accélérer la recherche. D'investir ensemble, en fait. Bien Parce sûr. Que là, pour l'instant, c'est quoi, en ordre dispersé? C'est un petit peu un micro-centre. Il faut donner un peu plus d'ampleur. Bon, là, je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. C'est important. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frans Timmermans? Il faut investir plus au niveau européen? Il faut que les moyens soient mutualisés? C'est ça aussi l'idée? Ce que je vois, c'est le besoin d'une partie de l'industrie et surtout les PME de s'attacher à une transformation fondamentale de notre économie vers le numérique. Parce que je vois vraiment des chances, des opportunités énormes, mais ils ont du mal à trouver le capital, et je l'entends aussi dans mon pays, que je connais mieux. Les Pays-Bas. Le capital pour créer ce dynamisme vers cette nouvelle économie. Et je crois que si on est sérieux quand on dit on veut l'Europe avec un marché unique dans le numérique, il faut aider les entreprises, il faut fournir du capital pour les entreprises pour pouvoir faire ce bond en avant.
C'est certain que nous, on a dépassé la filière de l'imprimerie. On parle de filière de la communication maintenant. Voilà, donc on agrège en amont et on avale toute la chaîne. Mais le papier a quand même encore de l'avenir, rassurez-nous, Marguerite. Mais oui, le papier a de l'avenir, bien sûr. Le papier, grâce à qui on est devenu intelligent depuis Gutenberg, on est en train d'essayer de rendre le papier intelligent avec des encres conductrices, par exemple. Il y a des tas d'autres usages qu'on trouve. Les encres conductrices, ça veut dire quoi, les encres conductrices? C'est assez technique, mais on est en train de développer, de passer de l'électronique imprimée à l'impression électronisée. Ouais. Ce sont des nouveaux marchés, des marchés d'avenir. Le papier va qui rendent l'utilité au papier. Le papier est utile aussi, par exemple, pour les flashcodes, les QR codes. Vous ne pouvez pas utiliser de QR code sans papier. Donc, il y a des tas d'usages en dehors de l'usage initial qui est. Et le papier a de l'avenir. Vous, avec votre PME, c'est quoi? C'est 250 personnes? 210. Depuis quelques mois, parce que nous avons fait une opération de croissance externe récemment. Est-ce que vous exportez? Malheureusement, plus. On exportait un petit peu en Angleterre, mais c'est plus possible du fait du taux de change. Et nos imprimeries ne sont pas assez compétitives par rapport aux autres pays. Nous avons des problèmes de coût du travail. En France, on a des charges, ça vous connaissez le problème, qui sont très élevées. On ne peut pas les tempérer par ce qu'on appelle les travailleurs détachés, qui sont nombreux en Allemagne, forcément, parce que avec la frontière des pays de l'Est, il y a beaucoup de travailleurs détachés, dont les charges correspondent aux charges de leur pays d'origine. Donc ça fausse un peu la concurrence. Alors, vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous Absolument. Répondez à ça? Il est clair que si on ne résout pas ce problème de la fausse concurrence sur le marché de travail, on n'aura pas une économie durable en Europe. Absolument. Et là, je vois vraiment un grand défi aussi pour la Commission, parce que ce n'est pas uniquement l'Allemagne, les Pays-Bas, la France. Tous les pays européens ont un problème avec cette concurrence détournée à l'échelle du marché de travail. Et ça nuit à la position des travailleurs, ça nuit au marché de travail, et ça vous cause une concurrence fausse avec des entreprises qui ne prennent pas ça en charge. Alors Marguerite Després a parlé de l'Allemagne maintenant justement. Tania Struve, représentante des Landkreise allemandes ici à Bruxelles. Oui, pour nous, c'est très, très important, en fait, et ça va vous aider aussi, je crois, de mettre en place sur tout le territoire de l'Europe le haut débit. Donc, une communication haut débit pour que, d'ailleurs, les entreprises, mais aussi toutes sortes de citoyens, tout le monde, les élèves dans les écoles qui travaillent aujourd'hui même avec l'Internet pour faire leurs devoirs, les hôpitaux qui travaillent avec ce moyen-là, le médecin généraliste qui fait certains examens avec ses patients. Et tout ça, il faut absolument assurer que ça soit mis en œuvre ou mis en place sur tout le territoire de l'Europe aussi, dans les zones rurales. Donc vous êtes en train de dire, Tania, qu'il faut profiter de ce plan Juncker, bon, on l'appelle plan Juncker, ce plan d'investissement européen, pour mettre de l'argent sur le haut débit en particulier. Absolument, c'est absolument nécessaire. C'est en fait une base de communication pour tout le monde aujourd'hui. Nous, on dirait même que c'est un service d'intérêt général. En Allemagne, c'est devenu un service d'intérêt général qui est absolument existentiel pour tout le monde. Déjà, c'est pas nouveau ça. Hein. On avait ça déjà dans le projet Europe 2020. On doit revoir ce projet 2020, mais il est évident qu'on doit créer un marché unique numérique. Et pour faire cela, on a besoin des connectivités à très haute vitesse. Et certains pays sont déjà allés assez loin dans ce domaine, mais d'autres ont encore un travail énorme à faire. Mmh. Et surtout, les grands pays, les zones rurales, c'est pas évident. Alors, on a eu des questions Facebook, Franz Timmermans, parce qu'on a sollicité nos éditeurs, téléspectateurs, en les prévenant que vous veniez. Alain Thébault, par exemple, vous pose cette question. Avec ce nouveau levier financier, va-t-on pouvoir mettre en place de beaux projets européens? Un iPhone européen, par exemple? Est-ce qu'on va pouvoir mutualiser les moyens et faire des projets dont on sera fier et concurrencer un peu les Américains? C'est une très très bonne question, parce qu'on on avait cette avance énorme sur les Américains dans la téléphonie cellulaire. On l'a perdue parce que l'Europe a raté le développement des smartphones. Mmh. Et ce sont les Américains et les Japonais, les Chinois qui ont repris ce domaine. Donc on doit chercher des domaines où l'Europe a un atout
dans le numérique, dans l'industriel, etc. C'est pas perdu. C'est pas perdu du tout. Je vous donne un exemple. L'automobile européen mène toujours les développements dans le monde, mais on a des problèmes. Par exemple, les batteries. On a plus une usine de batteries en Europe. Ces usines se trouvent uniquement en Chine, ce qui n'est pas bien pour l'environnement, ce qui n'est pas bien pour le développement scientifique en Europe et non plus pour le développement industriel. Voilà quelques domaines où on pourrait investir. Marguerite Després-Audeberbe. Oui, moi je voudrais savoir si ce plan va être conforté par une lisibilité sur la stratégie industrielle justement de l'Europe. Absolument. Parce que c'est vraiment important. Actuellement, on sent un clivage ouest-est avec l'industrie à l'est et le tertiaire à l'ouest. Plutôt, est-ce que vous envisagez un rééquilibrage? Parce que c'est important qu'à l'Ouest, on conforte les régions industrielles qui l'étaient et qui doivent le rester. Je crois que pour beaucoup de pays européens et aussi à l'échelle européenne, on s'est trompé en pensant que l'économie se développait uniquement dans le sens des services. Pour l'économie du futur, on a besoin d'une base industrielle très forte. Si on invente des choses ici, on doit les fabriquer ici aussi. Absolument. Si on les fabrique ailleurs, on les inventera ailleurs dans 10 ans, dans 20 ans. Donc il y a vraiment, on doit repenser la base industrielle européenne et c'est très très urgent, mais on a aussi des exemples très très bons en Allemagne, en Pologne des fois, en Angleterre, en France, en Italie, mais on doit ramasser, on doit rassembler ces exemples pour voir où il y a des possibilités pour l'industrie européenne du futur. Concrètement, ça va se passer comment, ces projets, ces 315 milliards vous allez, comment est-ce que vous comptez sur les investisseurs privés, donc effet de levier de 1 à 15 les assureurs, par exemple, auraient jusqu'à 9 000 milliards d'euros disponibles, et donc avec un peu de rentabilité et puis des projets couverts. Exactement, voilà. Et il y a pas mal d'investisseurs en dehors de l'Europe, qui sont intéressés avec les Sovereign Wealth Funds, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Les fonds souverains. Mmh. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de projet. On doit leur offrir des projets. Et ce qu'on doit faire en tant qu'Union européenne, en tant qu'État membre, c'est de rendre le seuil de départ un peu plus bas. C'est tout ce qu'il faut. Et puis après, je crois qu'il y aura... Vous couvrez 20% de risque. En gros, même pas 20%, ouais. Je crois. Hein, ça sera encore moins. Oui, ce sera effectivement moins. Maintenant, la question concrètement, il paraît que ça paraît tout simple, mais c'est miracle. Vous allez constituer un site internet où les investisseurs vont pouvoir venir et trouver les projets. Écoutez, il n'y a pas de miracle ici. Hein. Ce n'est pas dit que ça va fonctionner. En plus, même si ça fonctionne, ce n'est pas la seule chose dont l'Europe a besoin. Tout État membre qui croit que c'est une alternative pour des réformes structurelles se trompe. S'il n'y a pas de réforme structurelle dans les États membres, les investisseurs ne vont pas investir leur argent dans Est-ce que la France se réforme suffisamment? Est-ce que vous êtes rassuré, par exemple, par la loi Macron? Écoutez, c'est un bon pas en avant, mais je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous donner un jugement sur les mesures qui sont entreprises en France. Mais ça prouve que la France se réforme? On a dit, oui, je crois oui, mais la question est de savoir est-ce que c'est suffisant. Et on a dit en tant que Commission européenne, le président l'a dit très clairement, je vous donne le temps pour nous montrer que vous êtes sérieux, que vous voulez vraiment réformer. Et on ne va pas vous prescrire dès Bruxelles exactement comment vous devez faire. Alors pour débloquer l'économie européenne, pour débloquer les investissements, parce que finalement ce message du plan Juncker, c'est une façon de dire allez-y, investissez, exactement. On vous couvre, on vous suit, on vous oriente, on vous montre les bons projets. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi débloquer les barrières réglementaires. Alors la better regulation dans le jargon bruxellois, donc la lutte contre l'hyper-réglementation, ça c'est un de... C'est une de vos missions. Tania, qu'est-ce qu'on peut dire, vous qui avez l'opportunité d'avoir Frans Timmermans devant vous, qu'est-ce que vous pouvez lui demander dans ce sens? Mais moi, je l'ai déjà dit au départ, moi je voudrais absolument qu'on sollicite plus le niveau plus proche des peuples, parce que pour avoir aussi une meilleure acceptance finalement sur l'Europe, il faut absolument que la législation européenne soit mise en place d'une façon adaptée aux spécificités des
pays membres aux spécificités nationales et régionales. Et ça peut se faire avec l'aide des collectivités locales qui connaissent les problèmes, qui connaissent les avantages de toutes choses et les désavantages. Et donc, en fait, on a eu dans le passé, donc ça ne vous concerne plus parce que c'était dans le passé, mais quelques exemples sont, par exemple, la privatisation de l'eau qu'on a eu, vous vous rappelez sûrement très très bien, un très grand débat au niveau européen. En Allemagne, en fait, la distribution de l'eau est dans les mains publiques et on voudrait bien le garder dans les mains publiques parce que les citoyens et les citoyennes trouvent qu'on a une très très bonne qualité d'eau, ils ont très fortement confiance aux entités publiques, ils veulent que ça continue comme ça. Et ce serait moins cher, non, si c'était privé? Éventuellement, ça sera peut-être moins cher, mais la qualité de l'eau, c'est un sujet existentiel. Hein. Franz Timmermans, en gros, oui. C'est pas à Bruxelles qu'on doit toucher à l'eau. Je suis d'accord qu'on doit laisser aux États membres la possibilité de faire leur propre choix. Je crois, l'Europe prescriptive, comme on l'a connue, on doit la changer. On doit créer une Europe qui dit, on doit atteindre ses buts. On se met d'accord sur ses buts. Mais la façon dont vous voulez aller d'ici vers ce but, on le laisse, cette façon, aux États membres. Hein? L'eau, c'est un bon exemple. Peut-être le consommateur allemand, le citoyen allemand est préparé de payer un peu plus pour être sûr que l'eau est dans des mains publiques. Et pourquoi pas? Pourquoi pas si c'est un choix national de le faire? Est-ce qu'on doit alors prescrire de l'Europe? Non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a un marché intérieur de l'eau? Est-ce qu'il y a une raison pour l'Europe d'intervenir? Ce sont les questions qu'on doit se poser au sein du Parlement européen et au sein de la Commission. L'Europe qui doit agir, non pas l'Europe qui veut agir parce que ça ferait plaisir. Marguerite Després-Audebert, est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe s'occupe de trop de choses aujourd'hui? Oui, vraiment. Oui. Elle devrait se consacrer, se recentrer sur des missions et se consacrer à l'essentiel. Par exemple, l'Europe de l'énergie, par contre, ça, c'est important parce qu'il y a une dépendance. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Il y a d'autres thématiques comme cela, mais on entend toujours parler de l'Europe en province, dans des circonstances qui ne l'agrandissent pas, alors que c'est un projet formidable et on ne demande qu'à la développer. Quand je parle à mes collaborateurs, sur un plan professionnel, quand on perd un marché, je dis ben, il est parti à l'extérieur, parce que comme on n'exporte pas, on importe par contre. Hein, ça, en France, on importe deux fois plus qu'avant en imprimé. Donc la tentation, c'est pour eux de dire à l'Europe, l'Europe, et je leur fais comprendre que en fait l'Europe ne fonctionne pas bien parce que les règles du jeu ne sont pas équitables. On peut parler d'une équipe de foot où il y a des équipes, quand elles marquent un but, il y a un pays qui marque un point et l'autre équipe marque deux points. Donc ça ne va pas, il faut absolument les mêmes règles du jeu, et ça c'est important pour l'économie. Bah, ça c'est quand elles jouent à l'extérieur, en Coupe d'Europe, mais ça c'est la France question. Et l'Europe doit vraiment s'employer à harmoniser. Franz Timmermans. On a perdu les PME en tant que supporters de l'Europe. Les PME étaient toujours très enthousiastes. Ils ont décroché. Pour l'Europe. Ils ont décroché. Maintenant, ils ont le dos vers l'Europe parce qu'ils nous disent le fardeau est trop lourd, vous nous avez oubliés, vous faites des choses dont on n'a pas besoin. Ma mission, c'est de recréer un lien avec les PME. Si on réussit, en tant que Commission européenne, en tant qu'institution européenne, de créer le sentiment, vous êtes là pour nous, chez les PME. Si les PME se retournent avec le visage vers l'Europe, on aura réussi. Absolument. Parce qu'avec les PME, on pourra aussi convaincre. Bonne nouvelle, on partage les constats, mais qu'est-ce que vous faites concrètement une fois qu'on a dit ça? 85% des boulots en Europe sont dans les PME. Donc là où il y a toute une génération de jeunes en France, en Espagne et par ailleurs, qui n'ont pas de boulot, qui sont à la maison. La génération avec le plus de talent dans l'histoire européenne, qui n'a pas de boulot. C'est inacceptable. Et la solution se trouvera
chez les PME, j'en suis convaincu. Et concrètement, vous faites quoi? Concrètement, ça veut dire des projets qui aident, des projets d'infrastructure. Donc les 315 milliards ne vont pas servir que des grands groupes, ça va pas être... vous allez chercher à mettre en contribution vraiment des PME. Ce dont ils ont besoin, ce sont ces réseaux à haute vitesse. Madame a parlé du marché de l'énergie. Il n'y a pas de marché d'énergie en Europe. Il n'y a pas de communication entre l'Espagne et la France dans le domaine de l'énergie. C'est ça, ce sont ça les projets qu'on doit... Ça va baisser le prix de l'énergie. Ça, c'est bien pour les PME. Très bien. Il y a urgence, en tout cas. Absolument, je suis d'accord avec vous. Et Tania Strouve, vous êtes à peu près convaincue ou pas? Vous avez le sentiment que là, il y a un changement du côté, en deux mots. Ce sont des mots, hein. il faut réaliser ce qu'on dit. Hein. Mais moi, j'ai entendu aussi que le président Juncker a annoncé que la Commission européenne va dans le futur maintenant s'occuper des grandes questions qui concernent l'Europe, l'énergie, peut-être aussi les grandes banques, pas les petites caisses d'épargne en Allemagne, les Sparkassen et les banques régionaux. Ça doit être en dehors. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. L'Europe va s'occuper des grandes choses, plus des petites choses. Et si vous parlez de l'énergie, c'était le mot de la fin. Je pense que parmi vos armes, vous avez notamment été formé à l'interrogatoire. Dans l'armée de Russes, c'est ça? C'est ça. D'otages russes? Bon, c'est non, des prisonniers de guerre. Heureusement. Mais donc, vous êtes capable. En tout cas, c'est pas vous qui serez en charge des discussions avec Vladimir Poutine sur l'énergie. Non. Mais vous pourriez. Bon, en tout cas, merci Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, d'avoir été avec nous. Merci Marguerite Després-Audebert. Donc, vous êtes directrice générale de l'imprimerie Léonce Després dans le Nord-Pas-de-Calais. Puis merci Tania Strouve, directrice de l'association des départements allemands à Bruxelles. Voilà, c'était l'invité de BFM Business. Bon week-end à tous sur l'antenne de BFM Business.